Bonjour à tous et bienvenue sur L'Actu, la chaîne de l'actualité People et Télévision. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Depuis le 8 juillet, Émile a disparu du Haut-Vernet. Des bâtiments du village ont été visités, de nombreuses recherches ont été faites et de nombreux moyens ont été mis en place, mais aucune trace de l'enfant. Mais malgré cela, que cela fasse presque 6 mois, ils continuent d'exploiter, de recouper de très nombreuses informations. Et en effet, ils ont recueilli tellement d'informations qu'ils seraient sur une bonne piste. Il y a encore beaucoup d'auditions partout en France. La piste de l'accident est toujours là, elle existe. La famille a traversé une période difficile, notamment le jeudi 26 décembre, avec le dernier point sur cette affaire qui semble stagner. Nos confrères ont pu voir que les parents ont quitté les lieux de la disparition, ses jouets par pied sont lits désormais vides, ça a été très dur pour eux. Tragédie très difficile à vivre, mais qui semble porter un peu d'espoir. Merci à tous d'avoir aidé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.